qui vient de toi afin de porter du fruit. Yes. Est-ce qu'on peut prier encore? Dis-le Seigneur ce matin. Je suis disposé. Je suis aussi assoiffé que ton onction descend sur moi. Dis-le encore. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis. Ce matin, parle encore à ce Dieu-là, car il a affaire avec toi et avec toi seul. Il a affaire avec toi, non pas avec ton voisin, mais avec toi. Et ça n'a pas de problème, n'a été Casinayo. Ce matin, je suis un zambé petit qui pas naïo na tongolelo. Circoncis nos oreilles, Seigneur. Nous aimerons écouter à la manière des disciples, Seigneur. Nous allons aller. Et nous croyons qu'en ce matin, Seigneur, oh Dieu, tu es manifesté encore ta fidélité. Ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité. Nous t'allons ça. Alléluia. Dispose le cœur de ton peuple en ce matin. Que chacun s'ouvre à toi et à toi seul. Que nous bénissons toutes les distractions au nom de Jésus. Nous bannissons toutes distractions au nom de Jésus. Que ton règne s'établisse en ces lieux. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Nous
Nous te recommandons, Seigneur, ta servante. L'instrument par lequel tu veux passer en ce moment. Et ça, qu'elle soit bénie de ta part. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. La servante de Dieu. Nous voulons manger ça dans ta main. Bon appétit, que le Seigneur soit. Bolé molamu. Merci. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je me sens chez moi. Qui se sent? Ngana zomimone pa nangai. Qui se sent chez lui ici. Si tu ne te sens pas chez toi, donc tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu dois te sentir à l'aise. Parce que nous sommes dans la maison de notre Père. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? S'il vous plaît. Merci. Matondo. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions chanter ce chant. Parce que c'est lui qui est notre Maranatha. C'est lui qui dispose de toutes choses. Et c'est à lui que revient toute la gloire ce matin. Alors que tu es en train de chanter avec moi, crois que tout est accompli. Crois que ce matin, alors qu'on n'a même pas encore commencé la prédication, crois que le Seigneur était déjà là. Et qu'il a déjà commencé d'agir. Tu n'as pas besoin d'attendre la prédication. Parce que chaque parole, chaque chant qui passe par ici, c'est déjà le Seigneur qui est là, qui parle. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh, oh, alléluia, amen. Amen. Alléluia. Yeshua, sa solution. Amen. À sa consolation et à sa Oh,
cris de joie. J'aimerais que tu acclames le Seigneur, que tu te dises qu'il est là. Il est celui qui pourvoit encore aujourd'hui. Ne regarde plus à ton problème. Il est venu te consoler. Il est venu te consoler ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un que le roi des rois est en ces lieux. Ma soeur n'a moni azo comprendre été. Mais la sepeli pour la moni on dengo zo comprendre ango. Yangwana yon angato poussende kope à comprendre. Que na tongwa le loto zan a souffle de vie. Kaka nenge tozo pe ma boe. Consolation déjà est passée. Mettez-la et ma boe qu'on y souffle. Alléluia! Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur est notre consolation. Je suis aussi venu faire voir à quelqu'un ce matin que le Seigneur est notre consolation. Il y en a qui vont attendre parler de cela, mais il y en a qui vont le vivre. Et je vous dis que ça commence. Pasteur Luc, pasteur, je viens demander votre permission. Que je puisse pouvoir selon ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Je n'aimerais pas agir comme les êtres humains. Je voudrais faire à la manière de l'Éternel. Je sais que nous à la borne, nous à l'arche, nous avons notre manière de faire. Je ne veux pas agir selon vers nous. Je n'aimerais pas agir, mais je voudrais agir selon le roi des rois. Alors là où tu es, pousse des cris de joie. Alléluia. Mettez-moi lolo. Il est le roi des rois. Alléluia. Moi je suis dans la joie parce que aujourd'hui le Seigneur m'a dit à l'oreille. Il a dit, tu sais, tu es ma fille. Okay. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu le sentes aussi. Alors avant que nous commençons, nous puissions encore avancer. Là où tu commences déjà à te repentir, toi qui sais qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'entrer dans la gloire de Dieu. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui peut empêcher le Seigneur d'agir ce matin, déjà dans ton cœur, commence à demander pardon à Dieu. Je te demande, mon frère, ma soeur, papa, maman, de répandre ton cœur devant l'Éternel. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. Dans le plus profond. Car de toute façon, tu sais qu'ils sont le cœur et les reins. Alléluia. Père éternel, merci de nous voir ce matin. Merci de pardonner les péchés. Parce que Seigneur, sans la repentance, il nous est difficile d'entrer dans le surnaturel. Pardonne à chacun d'entre nous. Et aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à recevoir réellement ta consolation. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Matondo mingi. Je viens une fois de plus dire merci à celui que j'appelle l'ancien des jours. C'est parce que, en fait, toi, peut-être que tu crois que nous sommes là par hasard. Mais il savait que tel jour, à telle heure, ça serait maman qui serait ici en train de bénir son peuple. Parce que ce n'est pas moi, en fait, qui va parler ce matin. C'est lui qui va se servir une fois de plus. J'aime dire qu'il est l'ancien des jours. Parce qu'il n'y a rien qui se passe au hasard. Et aujourd'hui, je vois le peuple de Dieu être réellement consolé. Et cela est déjà arrêté. Je dis merci au pasteur Luc. Merci, ma tonne, pas pasteur Luc. Merci pour la considération, papa. Merci parce que vous avez autant de gens à inviter.
Mais si vous pensez à moi, je crois que cela ne vient pas de la chair et du sang. Mais cela vient de l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle je tiens à vous remercier. Je considère votre appel. Je crois que vous êtes un vrai serviteur, un vrai enfant de Dieu. Alors, si vous m'appelez, je considère que le Seigneur me connaît. Et je remercie Dieu à travers votre personne. Ainsi qu'à travers notre charmante maman Brigitte. Que j'aime appeler maman Fatad. Parce que j'aime l'embêter, elle veut que je fasse Fatad comme elle. Merci pour votre considération. Je dis merci à tous les collaborateurs de l'église Maranatha. Merci parce que une fois de plus, certainement, vous avez accepté que je sois invité. Merci à tous les membres de l'église Maranatha. Si vous êtes content que je sois avec vous, faites-les moi savoir. Parce que ça console mon cœur aussi. Amen, amen, merci. Amen, Matondo. Je dis merci à mon pasteur parce que moi je viens de l'église La Borne Upen. Le pasteur Joseph Bondo. Pasteur Joseph Bondo. Ainsi qu'à notre maman, notre charmante maman, notre douce maman, maman Gisèle Bondo. Pour leur encadrement. Mais aussi je dis merci au ministère, comme les gens aiment l'appeler, mais moi je l'appelle le groupe Plaire au Seigneur. Pour toutes les personnes qui sont avec nous dans ce groupe. Ce groupe que nous aimons appeler Église Primitive. Parce que nous aimons vivre comme à l'église primitive. Il y a quelques membres du groupe Plaire au Seigneur qui sont là. Je vois Papa Jérémy. Je vois Maman Grâce. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je vois le frère Ben. Est-ce que les gens qui m'ont accompagné, qui sont venus me soutenir, est-ce que vous pouvez me lever? Je vois Maman Dominique, je vois la sœur Aurore. Je vois Maman Judith, je vois Papa Serge. Papa. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Que Dieu Manicolo. Vous bénisse. Je vois Maman Nicolette. Vraiment, je vois Ethane Elliott. Je vois Maman Wivine. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile que de voir des grands hommes, des grandes femmes vous faire confiance et vous suivre. Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. Je dis merci à mon mari. Celui que j'appelle mon Seigneur. Le frère Popol s'est caché, mais il est là. L'assistant principal, toujours au poste, que Dieu te bénisse. J'aime l'appeler Seigneur. Ces derniers temps, je lui ai donné un autre prénom que je cache. Mais je l'aime tellement. Et je bénis l'Éternel de l'avoir à mes côtés. Parce que vous savez, très souvent, c'est à travers notre partenaire que nous remarquons ou nous voyons si réellement Dieu est là. Il n'y a pas un endroit qui soit aussi convaincant qu'un couple pour voir si Dieu est là. Amen, amen. Amen. Le jour où vous vous marierez, vous comprendrez et les mariés comprennent. Parce que le mariage, c'est la première institution que Dieu a créée. Et il y a beaucoup de choses qui s'y cachent. Et quand vous arrivez à passer 18 ans comme nous l'avons totalisé hier, et ce n'est pas facile, que Dieu soit béni. Nous faisons partie des vaillants. Amen. Amen. Nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet. Il nous a été demandé de nous entretenir sur le temps de la consolation divine. Et moi, le pasteur m'a dit que je pouvais avoir aussi un sous-thème à cela. Alors je viens nous demander si nous sommes éligibles à la consolation divine. Être éligible à la consolation divine. Parce qu'il y a un problème.
Tout le monde a besoin de la consolation. Le savez-vous? Même les païens, même le diable d'ailleurs, il a besoin de la consolation. Je vais peut-être choquer quelqu'un en le disant. Le diable aussi a besoin de la consolation. Raison pour laquelle il a des adeptes avec lui. Il y en a qui le poussent, qui lui disent, oui, tu es le meilleur. En fait, ce que tu as fait là, c'est bien. Et ça le console dans son agissement qui est mal. Tout le monde a besoin d'être consolé. J'aimerais peut-être qu'aujourd'hui, ici, dans cette église, Pasteur Luc, découvrir une personne qui n'a pas besoin d'être consolé. Il est où le surhumain qui n'a jamais voulu être consolé? Celui qui est Superman ou Superwoman. Qui n'a vraiment pas besoin d'être consolé. Apparemment, nous tous, nous avons besoin d'être consolés. Alors, je voudrais d'abord commencer par nous expliquer quelques termes, ça va nous aider tout au long de notre prédication. Ça veut dire quoi, éligible? C'est en fait ce qui est dans les conditions requises pour être élu. Une personne éligible, c'est une personne qui a en fait respecté des normes, qui se retrouve dans les normes ou dans les règles qu'il fallait pour avoir quelque chose. Raison pour laquelle je viens aujourd'hui pour te rappeler que ce n'est pas tout le monde qui aujourd'hui peut avoir la consolation de Dieu. Il y a plusieurs manières d'être consolé. Mais la consolation qui vient de l'Éternel, c'est la meilleure des consolations. Amen, amen. Amen. Je n'aimerais pas que vous soyez aussi crispés. Vous m'écoutez, vous êtes concentrés, mais soyez réceptifs. Et soyez sensibles. Alors la consolation, c'est quoi? C'est en fait, d'après le dictionnaire Larousse, soulagement apporté à la douleur, à la peine de quelqu'un. C'est en fait un soulagement. Donc quelqu'un qui a besoin d'être consolé, c'est une personne qui veut être réconfortée parce qu'il passe par des moments difficile. Parce qu'il a certainement eu quelque chose qui a blessé son cœur. Et la Bible nous dit qu'au temps de la fin, ils deviendront fanfarons et amis de l'argent. Alors ceux qui ne se retrouvent pas dans ce lot-là se verront très souvent être attristés. Je crois que c'est le cas pour vous et moi. Nous qui voulons rester dans la droiture de l'Éternel, nous ne nous retrouvons pas dans ce siècle. Nous sommes très souvent, je dirais, frustrés. Mon frère, quand je vois en cours de route tout ce qui se passe avec les Wewa, par exemple, il y a, je ne sais pas moi si vous l'avez remarqué, toujours des mauvaises paroles. Il n'y a plus ce qu'on a appelé jadis courtoisie routière. À chaque fois que je sors le matin, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui va encore arriver? Qui va encore m'injurier? Est-ce qu'il y aura un petit garçon qui va encore me manquer de respect? Tristesse. C'est ce qui se passe actuellement. Et nous qui avons besoin de rester dans la minorité qui craignent réellement l'Éternel, nous nous sentons tristes. Et nous nous retrouvons plus dans ce monde. Heureusement qu'il nous l'a prévenu.
Il nous a dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas. À chaque fois que je vois ça, je dis oui, c'est normal. Ce n'est pas ici, maman. Je tiendrai bon. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tiens bon. Bientôt, nous irons chez nous. Là où il n'y aura pas un petit garçon qui va te manquer de respect. Là où il y aura la joie. Amen, amen. Amen. Alors on nous dit qu'il y a la consolation du peuple. Et j'aime parce que on a écrit consoler, consoler Maranatha. Ce matin, alors que j'étais en train de prier, j'ai vu Maranatha prendre une autre allure. Qui est d'accord avec moi? Vous avez peut-être eu à passer des moments de non-dignité. Mais je vous assure que cette année, sinon à ma parole, vous verrez les choses changer. Parce que pas seulement que le Seigneur vient consoler, mais il vient aussi faire voir des nouvelles choses. Et je vous assure que ce sont des bonnes choses. Il y aura des témoignages en cascade, pasteur. J'ai vu ces choses ce matin. Celui qui va réellement recevoir ce temps verra sa vie être consolée. Parce qu'une personne qui est consolée, c'est une personne qui est soulagée. C'est une personne, même s'il y a des débats, boire, il sait qu'il y aura une solution. Car la Bible nous dit le malheur atteint souvent le juste. Bon, c'est souvent, hein? Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Mais ce que nous voulons maintenant, c'est de voir cette église changer. Et le changement de l'église, ce ne sont pas seulement les quatre murs, mais ce sont les gens qui sont là. Nous voulons voir des gens épanouis. Nous voulons voir des gens trouver du travail. Nous voulons voir les stériles enfantés. Parce que ce sont les signes de l'aide de Dieu. Ce sont des signes qui accompagnent la puissance de Dieu. Quand il dit consoler, consoler. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez que c'est écrit plus de 100 fois. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour consoler. Tu ne peux pas être dans une église et que tu ne sois pas consolé. Tu ne peux pas rester le même alors que tu as déjà plus de 4 mois dans une église. Il faudra déjà, même si ça ne marche pas, mais ta manière de vivre doit déjà changer. La Bible nous parle de Anne. Et ce jour-là, elle était au temple. La Bible nous dit qu'elle était en train de murmurer. Il y a une femme en ce lieu, le Seigneur me dit que tu murmures encore. Mais quand le prophète est venu, il lui a dit, femme, pourquoi es-tu dans l'ivresse? Il dit, non, je ne suis pas dans l'ivresse, je répands mon cœur devant toi. Na languete, alléluia, babe. Na eko sopa, utemana. Na ewoshua, machia. Ndekona singi o sopa, utemana yo lelo. Amen. Toi qui attends la consolation. Yo zoze la kobondisama. Alléluia. Alléluia. Cela est entré dans le cœur du prophète. Le prophète représentait le Seigneur. Et il s'est d'abord repenti lui-même d'avoir mal pensé. Et la repentance amène le surnaturel. Et quand le prophète a libéré les paroles, ce n'est pas ce jour-là que Anne a enfanté Samuel. Mais nous remarquons que le visage de Anne avait changé. Parce que c'était ce jour-là que sa vie avait changé. Ah, plaise à Dieu que ta vie change ce matin. Plaise à Dieu que tu reçoives quelque chose aujourd'hui. Tu as longtemps été déstabilisé. On a longtemps été sur tes dossiers.
À chaque fois que le Seigneur veut t'élever, il y a des gens qui s'assoient sur tes dossiers. Il y a des gens qui s'assoient sur tes propositions. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Je te dis qu'aujourd'hui, ici en ces lieux, même si tu n'es pas de cette église, que Dieu te bénisse mon frère. Tu témoigneras dans les jours qui vont suivre. Le Seigneur va agir. Je vois des gens ici qui devaient normalement avoir des promotions, qui ont longtemps été bafoués, qui ont longtemps été négligés. Mais je vous dis, d'ici mai 2023, vous verrez vos vies être changées. Je vois d'autres recevoir maintenant là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur est venu pour consoler. Ah, ça n'a que trop duré. Lui-même, il l'a dit. Consoler, consoler. Pourquoi le Seigneur le dit deux fois dans sa parole? Papa Luc, pourquoi il le dit deux fois? Parce que la chose est arrêtée. Parce que la chose est arrêtée pour Maranatha. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Il y a la consolation de l'Éternel en ces lieux. Il est venu pour consoler. Là où tu es, mon frère, commence déjà à te sentir dans la joie. Alléluia. Amen. Maranatha, lève-toi. Maranatha, lève-toi aujourd'hui. Dis-toi que je suis consolé. Si toi-même tu ne l'acceptes pas, cela n'arrivera pas. J'ai vu des démons fuir. J'ai vu des démons vraiment reculer de l'imité Salomon. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de répondre ce matin. Il y a plusieurs qui vont recevoir. Alléluia. Amen. J'aimerais vous parler de l'histoire d'un Japonais qui s'appelait Yokoi. Il y en a qui disent, Maman Monica, mais tu n'as pas encore ouvert ta Bible. En fait, ça, c'est un livre, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui est à l'intérieur qui est important pour nous. Ce que je suis en train de dire n'est pas la parole de Dieu. Cela n'est-il pas biblique pour ceux qui ont fait fatad? N'attendez pas à ce que seulement j'ouvre pour vous dire c'est dans Genèse 4. Je libère la parole de l'Éternel. Et si tu es sensible, saisis. Saisis. Alléluia. Amen. Je ne ferai pas ce que j'ai écrit. Je ferai ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Alléluia. Amen. Alors Yokoi, Yoko, était parmi les soldats japonais pendant la guerre mondiale en 1945. Yokoi se cachait dans la jungle alors qu'il y avait la guerre. Il était séparé de sa troupe. Il a perdu le chemin. Alors il s'est décidé de se cacher dans la jungle. Et il y avait des avions américains qui, à l'époque, circulaient. Et ces avions-là lançaient des tracts. Les tracts, donc, des papiers. Et alors que ces papiers-là, dans ce papier, on écrivait c'était la fin de la guerre. On voulait annoncer à tout le monde que la guerre était finie. Yokoi était seul dans la jungle. Alors qu'il se promenait, il a ramassé un tract. Imaginez-vous que Yokoi a bien vu les avions américains. Et il a ramassé les tracts. Mais en lisant les tracts, il dit non, 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 ça c'est une ruse. Ils sont certainement en train de faire ça pour que nous puissions sortir de nos cachettes et afin que nous soyons tués. N'ayant aucun contact avec la civilisation, Yokoi n'avait que lui-même pour réfléchir. Donc Yokoi n'avait même pas Dieu. Parce que s'il avait le Seigneur et qu'il prêtait son oreille,
Certainement que le Seigneur allait lui faire voir que ce qu'il avait vu là était réel. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Yokoi? C'est une histoire vraie. Yokoi est resté dans la jungle de Guam aux États-Unis. 27 ans durant. 27 ans. Pourtant la guerre avait déjà pris fin. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes en train de parler de la consolation. Et un jour, il y a des chasseurs qui étaient en train de faire leur chasse dans cette chambre. Et ils ont aperçu Yokoi. Yokoi vivait de la chasse et de la cueillette. Pourtant, 27 ans après, il y avait déjà la technologie qui avait vraiment franchi. C'était maintenant en 1972. Certainement, il y avait déjà même des téléphones, hein, je crois. Il y en avait déjà. Mais Yokoi continuait à vivre comme un être primitif. Et c'est sûr que quand il a même vu ce bateau, il a dit, oh, mais ça, c'est quoi ça? Quand il a vu le fusil, il s'est dit, oh, mais c'est ça, c'est quelle arme? Je ne connais pas ça. Comment? Mais ça, c'est sophistiqué. Où est-ce que vous avez reçu ça? Pourtant, 27 ans se sont écoulés. Et ces chasseurs ont dit à Yokoi, mais ça fait 27 ans que tu es encore là. Mais la guerre avait déjà pris fin. Nous sommes déjà dans la joie. Je suis en train d'interpeller quelqu'un ce matin. Je n'aimerais pas que tu sois le Yokoi de Maranatha. Alléluia. Amen. Consolez mon peuple. C'est qui le peuple de Dieu? Quand le Seigneur dit c'est mon peuple, c'est en ce moment-là que le Seigneur veut consoler. C'est en ce moment-là que le Seigneur reconnaît que c'est son peuple. Mais lisez bien la parole de Dieu. Quand le Seigneur, par exemple dans Ésaïe 29 de 1 à 3, dans Ésaïe 29, 1, 3, quand il dit ce peuple, là il les rejette. Amen. Alléluia. Il y a une nuance. Quand le Seigneur est avec nous, quand il veut faire quelque chose pour nous, il nous prend dans ses bras, il nous dit que nous sommes son peuple. Mon peuple. Maranatha, tu es le peuple de Dieu. Mais quand le Seigneur est dans sa colère, il dit ce peuple et vous êtes rejeté. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur t'appelle son peuple. Le Seigneur t'appelle son peuple. Est-ce que quelqu'un comprend que le Seigneur l'appelle son peuple? Amen, amen. Amen. Cette répétition souligne la réalité de la consolation éternelle. Quand vous voyez même en classe, nous le savons, un professeur répéter deux, trois fois une leçon, cela très souvent revient à l'examen, right? Qui est d'accord avec moi? J'ai été professeur pendant longtemps, j'ai appliqué la même méthode. Quand je sais que je poserai des questions sur cette matière, très souvent j'insistais. Je répétais. Alors si le Seigneur répète, consoler, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui attend Maranatha. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Malgré le péché qui avait dans son peuple, le Seigneur n'a pas abandonné son peuple. Il traitait durement son peuple. Pour celui qui voulait que nous puissions lire, nous allons lire dans Ésaïe 40, justement, Ésaïe 40, 1 à 2,
1-2. La Bible nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Amen. Amen. Je voudrais m'attarder un peu sur cette phrase qui dit « au double de ses péchés ». En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons tous que si le Seigneur a parlé ainsi, c'est parce qu'il y a d'abord eu des problèmes avant. Nous connaissons l'histoire, il y a eu le péché du peuple d'Israël. C'est comme ça qu'ils ont été déportés à Babylone. Et quand ils ont été à Babylone, je dirais ça en lingala. Au vrai sens du mot. Ils ont été torturés au vrai sens du mot. Merci frère. Merci maman. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit au double. Donc il a permis que son peuple soit maltraité, mais d'une maltraitance hors pair. Moi je crois que ce temps-là est passé pour Maranatha. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Pasteur Luc nga lelo na ye pona ebisa mutu moko na Maranatha. Soki bino bata Maranatha bozo zwate ngai na kenango. Parce que moi j'ai vu l'ange qui a ici aujourd'hui. Moni mwanjo aza awa lelo. Ah! Je ne sais pas si quelqu'un a les yeux ouverts comme moi. Mais cet endroit est rempli des anges. Cet endroit est rempli des paroles de Dieu. Vous avez peut-être eu organisé des choses. Mais croyez-moi, ceux qui vont vraiment recevoir verront leur vie être changée. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a eu des temps difficiles dans cette église. Et ce n'est pas en vain que vous vous êtes choisi ce thème. Le Seigneur est en train de transformer la vie des gens. Alléluia. Amen. Dieu est là ce matin pour consoler quelqu'un. Le temps de l'esclavagisme, le temps de je dirais même de l'asservissement à outrance est passé. Mais maintenant, pour que tu puisses recevoir, il faudra que tu sois sûr que tu es un peuple de Dieu. Je veux te donner quelques caractéristiques pour que tu puisses te retrouver dans ça. Si tu n'es pas dans ce que je dirais, essaye de faire cela. Bon, quand je dis essaye, je suis encore en train de ne pas beaucoup t'aider. Je t'exhorte en fait à devenir un peuple de Dieu. D'abord, le peuple de Dieu est choisi par Dieu lui-même. Nous le lirons dans 1 Pierre 2, verset 9. Et dans Genèse 12, verset 2. Dans Genèse 12, 2. C'est Dieu lui-même qui s'est choisi son peuple. Alors imaginez-vous si Dieu lui-même s'est choisi son peuple. Combien à plus forte raison il est là pour prendre soin de ce peuple. Si tu fais partie du peuple de Dieu, sois sans toi à l'aise. Et si ce n'est pas encore ça, tu as intérêt à venir. C'est le meilleur endroit. Deuxièmement, il a pour chef Jésus. Il n'y a pas un autre chef, j'aimerais vous le dire. Celui qui se dit enfant de Dieu, celui qui se dit peuple de Dieu, il n'y a pas un autre chef. Tu es d'accord avec moi? Jean 14, verset 1 nous dit,
Jean 14, 1, lobby boy. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Amen. Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Parce que si c'est lui qui est notre chef, nous n'avons pas besoin d'être troublés. Ça, c'est une parole de consolation. Est-ce que quelqu'un peut écouter cette parole? Tu n'as plus besoin, mon frère, de garder ton cœur troublé. Tu n'as plus besoin, ma sœur, d'être troublé par le comportement de ce fiancé. Va au bas de la croix. Il est là. Tu n'as plus besoin, mon frère, d'être troublé parce qu'ils sont en train encore de magouiller sur ta promotion. Oh, je viens dire à quelqu'un ce matin que ton cœur ne se trouble plus. Le Seigneur s'occupe de ton dossier. Et dans pas très longtemps, tu témoigneras. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Celui qui est peuple de Dieu, il est le sel de la terre. Il faut salanaelengi. Amen. Amen. Tu as besoin de te marier aujourd'hui. Maman Brigitte, ezaka tangu nyonso. Maman Brigitte, yo zolo bakutu boy. Nga ba fiancé ngokara soki baye bakei, soki baye bakimi, soki baye kaka boy. Yo zono ezana ngokara zolingo consoler nga, mena kozala consoler ndenge ni tanke na zui modalité. Mais soki kaka afungoli liboko ne pa louer nzambe. Maman Brigitte, pourquoi salissez toujours à Soukola la tête? Amen. Ah ben oui, il faut qu'on se le dise. Hein? Ma soeur, tu veux te marier, mais tu es une sale fille. Et tu attends que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Amen, maman. Amen. Non, mon abamou. Mais croyez-moi, l'ange là ne viendra pas laver tes aisselles. Moi, j'en ai quoi qu'au chocolat. Ma Brigitte, savon, et comment l'on a mis sous 300 francs? Oui? Yo moko nika. Ce qui faut l'ingite, tu la réunion, ba maman, tu la qui sont déni faux chocolat. Il n'y a pas de choses mystiques à l'intérieur. Amen, amen. Amen. Celle de la terre. Mungu ya mokili. Yoso fungolika munoko boye pa fiancé na yo. Sko weno ne lote. Kas nepse ko fola tia ba meshe. Mbongo na peto ka yo senga kakaka. O senga kakaka. Ba papa maman. Omo na makambo Amen. Ah, vieux, mon yango, hein? Sosso li, hein? Sora bandi. Oh, qu'est-ce que tu sommes avec la belle semaine? Oh, tu vois les sacs qui sont jaunes. Mikolo, il y a orange, mon tésor régné. Si tu es dans mon colonie, so, il faut que tu aies la belle rose, l'obi à bleu. L'obi... Mais à quoi garder mbongo, ndenge nini pour y avoir doté? Amen. Amen. Celle de la terre. Mungwa ya mokili. Qu'est-ce que tu fais avec ta belle famille? Nini ozo salana libota ya mobali na oto ya mwasino. Ah, merci papa. Que Dieu te bénisse. Amen maman. Et ça kaka te mwasi. Et ça mobali pe o ya sala kana libota ya mwasi na ye. Amen maman. Il y a des papas ici qui sont impolis avec leur belle famille. Et na papa zangi botosi. Na liboté ba moi sina. Papa na kosi. Bon, nga na Jérémie hein, nga na balé là bon moi na tala moi na bon denga bongi alors. Papa bonjour. Bonjour. Toboite papa yo mto bongi si biso. Toboite papa yo mto memelinga mama na poto. Mais tu n'es pas le Tout-Puissant. Ozali motonangu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le Tout-Puissant. Oza motonangu ya nyonso te. Nikiti ça.
Parce que celui que tu es aujourd'hui, il y a un Dieu quelque part qui a fait ça. Et pour toi. Alors si tu as consolé le cœur de ta belle famille, sois le sel. Zalamungwa. Donne encore plus de saveur. Pesa qu'on sali puisse sou. Encore t'aimer davantage. Pesa sou sou koleka. Amen, amen, amen. Je bénis l'Éternel pour sa parole. N'a pas peuple de Dieu, il commence à vivre le royaume de Dieu déjà sur la terre. Pose la question à ton voisin, s'il vous plaît. Est-ce que tu vis déjà le royaume des cieux ici? C'est quoi vivre le royaume des cieux sur la terre? On ne te dit pas que tu verras l'or et l'argent partout. Mais la Bible nous dit que nous serons dans la joie. Est-ce que tu es un chrétien joyeux? Problème ou pas problème? Est-ce que la joie fait partie de ta vie? Un peuple de Dieu n'agit pas comme tout le monde. Je bénis l'Éternel. J'avais un problème, alors je parlais à mon grand frère. Amen. 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 Ah oui. Nous avons aussi besoin. Le pasteur a besoin de votre consolation. J'en viens. Alors je parlais avec un grand frère. Je dis Yaya Tayo Moko. Et il m'a dit, tu sais ma petite sœur, il faut monter de dimension. Aller au-delà de cela. Amen, amen. Amen. N'agis pas comme cette personne-là. Pour vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui se suffit. Mais ce que je sais, c'est que celui qui fait partie du peuple de Dieu ne peut pas agir comme tout le monde. J'aimerais dire à celui-là qu'il est tout le monde. Dis un peu à ton voisin, tu es tout le monde s'il va accepter. Tu es tout le monde. Qui veut être tout le monde? Vous voyez personne, mais pourtant on a de tout le monde ici. Nous avons de tout le monde, maman Judith. Peut-être même là à tes côtés, il y a un tout le monde. Mais là, à l'église, nous sommes tous des saints. Amen. Amen. Nous devons arriver à être des mis à part. Alléluia. Amen. Il a sa façon de penser et de parler. Il y a amen. Amen. Très important. Nous voyons Pierre, comment est-ce qu'il a été reconnu? Ils étaient assis avant qui? Alors que le Christ se faisait massacrer de l'autre côté. Quand il a commencé à parler, avec le langage d'aujourd'hui, papa Luc et Sarah qui mais Pierre, lui, quand il parlait, il dit Ndeko, omoni plaso yoto salaboy. Celui-là n'a pas notre langage. C'est sûr que toi aussi, tu étais avec lui. Amen, amen. Amen. On doit te reconnaître par ta manière de parler. Peuple de Dieu, c'est celui qui obéit à son maître. Proverbe 8, verset 34. Proverbe 8, 34. Nous remarquons avec notre papa Abraham. C'est lui qui constitue le peuple de Dieu d'abord. Ça, j'aimerais quand même lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit exactement ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Oh, Isaïe, le bananzam. Je lis encore dans Genèse 16. Attends, dans Genèse 16. Au premier verset, il est dit ceci. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Dis à ton voisin, Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Amen. Amen. Regardez la différence. Tout au début, c'est Dieu qui parle à Abraham. Abraham écoute. Et à chaque fois qu'Abraham avait des problèmes, vous lirez après, vous remarquerez qu'il consultait Dieu. Amen. Amen. Mais quand Sarah est venue avec cette proposition, Abraham a fait comme son père Adam. Amen. Amen. N'est-ce pas? Adam, c'était la même chose quand Ève est venue lui parler. Adam n'est pas rentré vers Dieu pour dire, Seigneur, regarde, il me dit de manger. Et c'est la même chose avec Abraham. Amen. 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 Qui est d'accord avec moi? Nzambe azawana me Abraham atali ekutute muninga basololaka. Po ifala lia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu fais partie du peuple de Dieu, même si la proposition est alléchante, le peuple de Dieu rentre au pied de la croix. Amen. Amen. Il faudra que tu rentres au pied de la croix. Amen. Amen. Le peuple de Dieu n'appartient plus à un autre peuple. Moi, parce que na coutume ba lobby que biloko nyoso il faut qu'il ne pas ya tata moi si soki ndeko na kufi. Oh! Eh? Ah, bon moni bofandini hein. Vous vous retrouvez. Très souvent c'est ça. Si c'est notre intérêt, nous rentrons dans les choses du monde. Nous ne regardons plus à ce que Dieu nous dit. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Et tu vas faire cette déclaration. Je demande au peuple de Dieu, s'il vous plaît, levez-vous. Au nom de Jésus-Christ, tu vas faire cette déclaration. Tu vas citer le nom de ta famille. La famille de ton papa. La famille de ta maman. Tu vas citer le nom de ces deux familles. Tu vas le dire après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je ne fais plus partie de telle famille. Je ne fais plus partie de telle famille. Tu cites le nom de la famille de ton père. S'il vous plaît, faites ça avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je ne fais plus partie de la famille Pindi. Je ne fais plus partie de la famille Moulang. Je ne fais plus partie de la famille Kiumbu. Je ne fais plus partie de la famille Kiumbu. Mais je fais partie de ta famille. Je fais partie de ta famille. La famille biologique que tu m'as donnée. La famille biologique que tu m'as donnée. Reste ma famille. Reste ma famille. Je la considère. Je la considère. Je l'honore. Je l'honore. Mais j'appliquerai désormais. Mais j'appliquerai désormais. Ta parole dans ma vie. Ta parole dans ma vie. Pour que je sois consolé. Pour que je sois consolé. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Asseyez-vous. Banda. Parce qu'il y a plusieurs choses qui nous arrivent, mes frères. Parce que nous faisons partie des familles Songolo Pakala. Amen. Amen. Regardez ce que Adam a fait.
Eve, comment Abraham l'a fait, après il y a encore Isaac et tout, ils ont tous vécu presque la même chose. Désormais, il faut couper ces liens spirituels. Je ne te dirai jamais, même si on te dit que ta maman, c'est elle qui est sorcière, elle reste ta maman. Amen, amen. Amen. Il faut lui donner à manger. Il faut lui donner à boire. Il faut t'occuper d'elle. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres qui ne sont pas consolés ni bénis. Parce qu'aujourd'hui, nos mamans et nos papas sont devenus des démons. Nous ne leur donnons plus à manger. Laisse-moi te dire, mon frère, rien de bon n'arrivera dans ta vie. Au contraire, si tu lui donnes, l'amour est au-dessus de tout. Qu'elle te veuille du mal, cela ne marchera pas. Au contraire, tu vivras la vraie consolation de Dieu. Parce qu'il sera toujours là pour te donner au centuple. La parole de Dieu nous dit qu'honore ton père et ta mère afin que... Ah mais oui! Si tu vis longtemps, il te gardera et il te donnera ce que ton cœur désire. La parole de Dieu ne me précise pas que c'est... Mais il faudra qu'elle soit une bonne chrétienne, qu'elle parle en langue, qu'elle puisse se faire sortir le feu du Saint-Esprit dans sa bouche. Baliverne, elle est maman. Aza maman. Elle est papa. Il est papa. Aza papa. Et il reste Peatikali. Tes parents. Babotina. Amen. Amen. Tu leur dois protection et respect. Avant que je ne termine, c'est un dimanche, mais j'aimerais que nous puissions prier. La volonté de Dieu est que tu sois consolé. Raison pour laquelle je ne voudrais pas que tu restes dans la frustration. Nous lirons le psaume 71, verset 21. Dieu nous console dans toutes nos afflictions et ça, nous le savons. Il n'y a pas un domaine où Dieu ne peut pas nous consoler. Mais pourquoi il faudra que tu puisses aller vers d'autres dieux? Quand tu sens que ça ne va pas, après une année, deux ans, tu sais déjà. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas céder ce matin. C'est auprès du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seulement auprès d'eux que nous avons la vraie consolation. Amen, amen. Amen. Il y a une consolation dans toutes circonstances. J'ai vu Isaac perdre sa maman. Et la Bible nous dit qu'après cela, il trouva Rebecca. Et son cœur fut. Consolé. Il y a toujours une solution palliative chez le Seigneur. Vous savez, quand je me suis converti, tout au début, il y avait la radio Sangomalam. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai aimé la sœur Lor Mbongo, qui aujourd'hui est une amie à moi. Et je bénis l'Éternel pour cela. J'étais en train de nettoyer la maison. Alors, elle chantait. J'écoutais la chanson. Elle chantait ceci exactement. Eli kiana motolo bi motwa kokufai. Eli kiana mama lobi mama kozanga. Vous connaissez ce refrain là? Et je vous assure qu'à l'époque, moi, il n'y avait pas quelqu'un qui avait de l'importance comme ma mère. Amen, amen. Amen. Je savais que ma mère avait solution à tout. Je connaissais le Seigneur. Mais je vous assure qu'à l'époque, je vous parle de 92-93. C'était ma mère. À chaque fois que j'allais, maman, regardez, elle me dit, c'était une femme formidable. Mais comme le Seigneur console toujours les cœurs,
Il savait qu'un jour ma mère mourra. Et j'allais me retrouver sans référence, sans repère. Et ce jour-là, il m'a donné cette chanson. Pour me dire, attention. Arrête de penser que ta mère peut tout dans ta vie. Et j'aimerais vous dire que le jour où ma mère est décédée, il y a quelques mois, j'ai ressenti l'absence de ma mère. Mes gloires soient rendues à Dieu. Parce que j'avais trouvé mieux que ma mère. Parce que j'ai trouvé mieux que ma mère. Et mon cœur est consolé. Quand je regarde à mon mari, je ne retrouve pas ce que je veux. Quand je regarde à mes enfants, de fois, Ethan me dit, non maman, laisse-moi, moi je regarde le foot. Mais il y a quelqu'un qui ne me laisse jamais tomber. Il y a quelqu'un qui est toujours là pour me consoler. Quand je vais vers lui, il me tend toujours la main. Il ne me demande pas d'attendre qu'il termine son match de basket. Fais comme moi. Sois au pied de la croix. Soyons dans la joie aujourd'hui. Comme 2 Corinthiens 13, 11 nous le dit. Alors comment viendra la consolation? Je n'aimerais pas que tu puisses rêver. Je terminerai par cela. La consolation vient de diverses manières. Pasteur Luc, es-tu d'accord avec, êtes-vous d'accord avec moi? Ça vient de plusieurs manières. Nous voyons le peuple d'Israël dans notre passage. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur avait déjà parlé de la consolation. Mais ils n'ont pas vu ça ce jour-là. Nous avons tout à l'heure parlé de Anne. Ça peut s'accomplir après un temps. Habakkouk 2:3 le dit. Une parole qui est sortie, c'est qu'on appelle prophétie. Il faut l'attendre. Elle s'accomplira certainement. J'aimerais dire à quelqu'un à Maranatha, ce n'est pas quand nous allons sortir d'ici que nous allons voir notre temple directement être construit. Nous ne verrons pas directement demain au travail, on nous donne le papier de notre promotion. Nous ne verrons pas directement nos ventes où nos vies être changées, le fiancé qu'on a tant espéré arriver. Mais parce qu'il y a d'abord un travail à faire. Il y en a qui doivent d'abord faire leur part. Et il y en a aussi qui doivent recevoir. Il y a le Dieu du tout à coup. Mais il y a aussi le Dieu qui te demande à temps. Alléluia. Amen. Et c'est le même Dieu. La consolation est là. Mais elle arrivera au temps favorable. La consolation dépend de notre consécration et de notre obéissance. Mon frère, j'ai transpiré ce matin pour te dire comment un peuple de Dieu doit être. S'il te plaît, mets ça en pratique. Et cela ne durera plus. Il faut rester à l'écoute de Dieu. Abraham est parti loin de l'écoute de Dieu. Et il y a un problème aujourd'hui entre les Arabes et le peuple de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que Abraham n'avait pas écouté Dieu. Il faudra que nous puissions alors prier pour que nous ne puissions pas rater la consolation. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la consolation de Dieu est dans cet endroit. Pasteur Luc, j'ai vu même chez vous à la maison les situations être changées. Ça ne se passera pas seulement dans cette église, mais j'ai vu un vent nouveau. J'ai vu des petits enfants dans votre maison courir partout. J'ai posé la question Dieu de savoir, maman Brigitte aura encore des enfants. Le Seigneur a même rigolé. Il m'a dit non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais vois bien ce que je lui donne. En fait, tous ces enfants-là, le Seigneur me dit, pasteur,
que Dieu veut que nous puissions agir et vivre comme des enfants. Et j'ai vu l'atmosphère de l'innocence dans votre maison. J'ai vu comment est-ce que vous allez prier pour des cas et les stériles enfanteront. Sinon, à ma parole, peuple de Dieu, le Seigneur est en train de donner un ministère puissant à votre pasteur. Il est en train de changer quelque chose dans sa vie. Et je sais que lui-même le sait déjà. Le Seigneur l'amène au large. Il est passé par des moments compliqués. Mais c'est le temps de la consolation. Si tu es sous sa couverture, croyez-moi, vous verrez les choses changer. J'ai encore vu le peuple de Dieu qui avait des véhicules depuis le coin là-bas jusqu'au coin. J'ai vu parce que le Seigneur m'a dit que j'ai tout ça dans mon carcan. Et bientôt c'est la fin de temps. Je voudrais donner. J'ai vu la vue des gens changer ici. J'ai vu que vous avez encore refait la route ici. J'ai vu des jeunes travailler. Et les choses ont changé. J'ai vu des véhicules s'installer ici et il y avait des mariages presque chaque samedi. Ah, laissez-moi vous dire que demain ça sera compliqué. Comme c'est un culte de dimanche, je vous en supplie, revenez demain. Il y aura l'atmosphère prophétique en ces lieux. Il y aura des choses qui vont se passer. La puissance de Dieu agira. Ah, s'il plaira à Dieu que les morts ressuscitent. Que les choses changent. Nous voulons vivre ces choses. Si tu es là, mets-toi debout avec moi. Nous allons prier. Toi qui ne pourras pas être là demain, passe devant rapidement. Nous allons prier. Le Seigneur est venu pour consoler. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'appels. Parce que je sais que vous êtes là. Je dis quand même que si tu sens qu'il y a des difficultés à te conformer à la parole de Dieu, particulièrement toi, passe devant. Tu n'arrives plus à bien faire les choses de Dieu. Tu deviens un peu vacillant là où tu es pris avec moi. Tu deviens distrait. S'il te plaît, prie avec moi. Et il y en a d'autres qui doivent accepter le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur me l'a dit. Si tu es là et que tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, s'il te plaît, lève ta main là où tu es. Nous allons prier avec toi. Ou alors, comme on n'a plus beaucoup de temps, le pasteur va rester prier avec toi. Mais j'aimerais que quelqu'un passe devant. Celui qui veut la consolation réelle de Dieu. Celui qui s'attend à Dieu ce matin. Celui qui croit que c'est son jour et c'est son heure. Ne regarde pas ton voisin. Le Seigneur est en ces lieux. Que Dieu te bénisse, mon frère. Mon frère, particulièrement, je t'ai vu changer même de travail. Je vois une personne dans ta vie qui s'appelle Mamie, que tu appelles Mamie, je ne sais pas si c'est qui. Mais le Seigneur me dit que cette personne-là a besoin que tu puisses le visiter. Je dis financièrement, tu connais une Mamie dans ta vie? Mamie, elle est qui pour vous? C'est une amie. Ah, Mamie attend une visitation financière. Elle a des problèmes financiers ce temps-ci. Le peu que tu as, donne à Mamie aujourd'hui. Le peu que tu as. Dis-lui, Mamie, je suis seulement touchée de te donner quelque chose. Ce que tu donneras à Mamie, je vois le Seigneur ajouter 3 zéros après ce que tu lui donneras. Amen. C'est ça que le Seigneur te donnera. Amen, 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 amen. Fais-le et tu verras. Amen. Et je vois ta vie changer. Mercredi. Le mercredi, tu as fait une prière. Amen. Pourquoi vous riez, mon frère? Il y a un Dieu. Right? N'est-ce pas que mercredi tu as prié? Ne pleure pas, c'est Dieu qui est là. Exactement. Le Seigneur est en ces lieux et il veut changer la vie des gens. Exactement, je l'ai fait. Laisse-moi te dire que le Seigneur t'a vu dans le secret. Et quand tu as prié, ce sont les mêmes larmes qui coulaient de tes yeux. Et Dieu me dit qu'il vient te visiter. Il y aura une visitation dans ta maison. Ne t'occupe pas trop des choses que ta femme fait très souvent. Amen. N'est-ce pas, mon frère? Deux fois, tu te plains. Mais tu sais, c'est vraiment elle, ta femme.
j'aimerais te confirmer que c'est vraiment elle. C'est elle que Dieu a choisie pour toi. Amen. Et quand tu donneras l'argent à mamie, il faut lui dire de ne pas être jalouse. Parce que très souvent, tu la connais, non? Tu sais comment elle réagit. Elle est ici. Elle n'est pas là, ta femme. Oh, il fallait qu'elle soit là. Dieu merci qu'elle n'est pas là, mais il faudra aller prier avec elle. Le Seigneur me dit, ne fais plus attention à ce qu'elle dit. Fais de ton mieux qu'elle soit avec toi demain. Il y a des choses que je ne peux pas dire au micro, mais Dieu est en train de visiter ta famille. Il est même en train de visiter tes finances. Kirashima yaskuri akera baba. Miyanda kore bashima yaskubi. Minda kaya karaba sheko yamande ko yaba sekara. Mikoro shiba yasekara bashkubia. Maintenant, Seigneur, s'il te plaît, fais-le Adonai. Pasteur, j'étais en train de voir une femme. Pas plus tard que ce matin, tu priais pour ton mari. Je ne sais pas si c'est d'elle que je pense, mais le Seigneur ne m'a pas montré encore le visage, mais il m'a dit que cette femme est en ces lieux, elle priait pour la promotion de son mari. Elle est ici. Tu vas juste t'avancer. Tu priais, tu dis, Seigneur, que cette fois-ci, ça réussisse. Tu vas obéir à Dieu. Tu vas t'avancer de là où tu es. Viens juste tenir ma main et nous allons prier. Il y a quelque chose qui se dégage ce matin. La consolation est à toi. Kirabashimaenda bababa. Yorakamashenda yakerabashimoya. Yikarabia shkumia sinda yabakerababa. Touchez ma main. Touchez ma main. Je comprends pourquoi je ne voyais pas le visage. Parce qu'elle n'était pas seule. Kurabashé, ma maman. Mesdames, j'aimerais vous dire une chose. S'il y a des gens à qui le Seigneur ne résiste pas, ce sont bien les femmes qui le craignent. Les femmes bouleversent les choses. Une femme est une puissance. Alors maintenant, recevez. Recevez, recevez, recevez. Kurabashé. Les choses changent maintenant. Il le reçoit. Et toi-même, tu reçois au même moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ressens maintenant. Tu ressens. Tu le ressens parce que c'est la visitation. Je vois particulièrement ton mari. Pas seulement qu'il y a sa promotion qui est menacée, mais il y a aussi la mort. On est en train de le chercher avec un poison. Mais le Seigneur me dit que tu ressens maintenant une force t'envahir. Il est en train d'épargner ton mari. Les breuvages mortels ne lui feront rien. Maintenant, tu le ressens au nom de Jésus. Oui, éternel. Oui, éternel. Allez. Il n'y a pas une force. Il n'y a pas une force de la femme. Tu es la force de ton mari. Maintenant même, ça se dégage, ça se dégage. Ça se dégage maintenant. Tu le dégages. Même si ce breuvage mortel entrera dans sa bouche, ça ne le fera absolument rien. Ça sera de la vitamine. Tu verras qu'il va prendre du poids dans les jours qui vont suivre au nom de Jésus. Tu sens maintenant une certaine légèreté dans ton corps. Ressens-le. Ressens-le maintenant, ressens-le, ressens-le.
Ressens-le maintenant, ressens-le, ressens-le. Merci Jésus. Merci Père, merci. Merci parce que tu nous fais au nom de Jésus. Je suis en train de voir des gens tout autour de ton mari qui sont assis sur son dossier, qui ne veulent pas que tu puisses rire au dossier. Pourtant, le Seigneur t'a montré plusieurs fois que les choses peuvent changer dans ton foyer. Maintenant, c'est son jour. Il console ton cœur, ma soeur. Il ne traite pas ton mari. Un homme colérique, n'est-ce pas? Il a baba baba chi baba, mais il le fait pour toi. Il le fait pour toi maintenant. Reçois, 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 reçois maintenant, reçois, reçois. Il a baba chi boyasko, il a baba kerashi baba. Reçois maintenant, reçois les. Pasteur, s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider aussi avec d'autres cas, si des serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, passez devant, nous allons prier ensemble. Je demande au frère Ben, le Seigneur m'a dit que le frère Ben, le prophète Ben est en ces lieux. Il a des messages à dégager. Viens, nous allons prier pour quelques cas parce que tu as des messages à dégager.